nous poursuivons la lecture de Il faut sauver le panda du mont Yin-Yang, écrit par Vincent Villeminot aux éditions Fleury. Chapitre 7. Dans le journal. Le lendemain matin, presque avant le lever du soleil, les trois copains se précipitent au kiosque à journaux. Émilien, Julie et Bonaventure sont tous ébouriffés parce qu'ils se sont couchés très tard. Donc, ça veut dire les cheveux en bataille. Une fois Frank Dupont débarqué, il a fallu retourner chercher Émilien et Brutus déguisés en panda qui s'étaient cachés sur l'île pour le tromper. Vous vous rappelez, ils avaient mis de la farine sur le grand chien pour le déguiser en panda. Mais ce qu'il lit suffit pour réveiller complètement nos amis. Au centre du journal, le panda est la vedette. Il y a une grande photo et un article. Voici ce qu'il dit. Dernière minute, un panda au large de notre ville? Un panda, c'est peut-être la découverte incroyable faite par trois enfants de la rue des Mésanges, Julie, Émilien et Bonaventure. En se rendant sur une petite île bien connue des pique-niqueurs, au large de notre ville, ils ont aperçu une silhouette familière, noire et blanche, au milieu des bambous. Ils ont cru reconnaître un panda et se sont livrés à une enquête. Effectivement, un panda nommé Mickey se serait échappé d'un cirque à quelques kilomètres de notre ville. Voici 3 ans. L'animal n'a jamais été retrouvé. Se pourrait-il qu'il y ait trouvé refuge sur cette île? Je me suis moi-même rendue sur l'île hier soir et j'ai effectivement aperçu une silhouette qui pourrait bien être celle de l'animal le plus connu des enfants. Malheureusement, dès mes premières photos, le panda, si c'en est un, s'est enfui. En attendant de plus amples vérifications, cette nouvelle sensationnelle est aussi un SOS. Julie, Émilien et Bonaventure s'inquiètent pour l'animal qu'ils ont découvert. Ils connaissent bien la petite île qui est l'un de leurs terrains de jeu favoris. Le mont Yin-Yang et la plage Eldorado, comme ils les appellent, sont dans un triste état. J'ai pu constater moi-même que le ruisseau et la forêt de cette île sont pollués par le sang-gêne des promeneurs. Le panda pourra-t-il survivre? C'est maintenant aux autorités vétérinaires de faire leur devoir pour assurer la capture et la survie de l'animal qui se promène la nuit dans les bambous du mont Yin-Yang, que ce soit un panda ou pas. Signé, Frank Dupont. Formidable, dit Julie. Il parle de la pollution et des saletés. Et il cite même le nom du mont Yin-Yang, applaudit Bonaventure. Génial. On va tous devenir célèbres, renchérit Émilien. Oui, mais ce soir, on risque de passer un sale quart d'heure. Les trois amis se regardent, vaguement inquiets quand même. Ils savent que bientôt, l'heure de vérité va sonner. Mais ils sont bien décidés à réussir. Chapitre 8. À cheval sur mon panda. Le soir, au coucher du soleil, plusieurs dizaines d'embarcations filent sur le lac vers le mont Yin-Yang. Il y a des journalistes de la télé qui espèrent filmer le panda en liberté. Les voici tous. Il y a le maire, très fier, que sa ville devienne célèbre. Il y a plusieurs vétérinaires et une équipe du zoo qui espèrent apercevoir l'animal. Une bonne partie de la petite ville s'est aussi déplacée. Parmi la foule qui débarque, il y a les parents de nos amis, mais personne ne sait où sont passés Émilien, Bonaventure et Julie. Sur la plage, tout le monde discute. Robert le Rouge et Franck Dupont montrent le chemin de bambou au maire, aux journalistes de la télé et aux vétérinaires. On demande à tous les autres de ne pas les suivre pour ne pas effrayer l'animal. Cette fois, attention, on va voir ce que l'on va voir. Et effectivement, à 8 heures précises, alors que le jour commence à baisser, quelqu'un chuchote « Je crois voir la silhouette du panda. » Mais il y a quelqu'un sur son dos. Et je crois aussi voir 2 autres enfants dans les bambous. À ce moment précis, quelqu'un éclate de rire. Un rire énorme de pirate. C'est Robert le Rouge qui ne peut plus se retenir. Aussitôt alerté par cet éclat de rire, tous ceux qui sont restés à l'écart de l'autre côté de l'île se précipitent. Et ce qu'ils découvrent provoque un nouveau et gigantesque éclat de rire. En effet, sortant des bambous, Julie apparaît à califourchon sur le panda, un énorme chien noir entouré de coussins. Décoré de grosses taches blanches, de farine sur le ventre, les flancs et la tête. À côté du panda-chien, il y a 2 autres enfants, Émilien et Bonaventure, bien sûr. Tout le monde sourit, puis applaudit, sauf le maire et les journalistes de la télé, qui ont l'air furieux de s'être déplacés pour rien. Au bout de quelques instants, les applaudissements cessent. Marine, Baptiste et le père de Julie s'apprêtent à gronder un peu nos 3 amis qui ont fait déplacer tout le monde pour rien. Mais Julie ne leur laisse pas le temps de s'avancer. Elle profite du silence subit et descend de son panda. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. »
Et la prochaine fois, vous saurez ce qu'elle leur annoncera. Qu'en pensez-vous?